Hey, salut tout le monde, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo particulière puisque j'ai reçu deux énormes colis. Merci à Vincent qui m'a vendu sa collection. Heureusement pour moi, malheureusement pour lui, il arrête la collection Yu-Gi-Oh! Du coup, j'ai pu hériter de sa grande collection Yu-Gi-Oh! Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on s'ouvre les deux énormes colis qu'il m'a envoyés parce que je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc, ce sera une surprise et je vais vraiment tout découvrir avec vous, ça va être super sympa. Du coup, regardez, j'ai reçu deux gros colis, donc ils sont ici. Donc chaque colis fait à peu près 9 kilos, donc là ici, par contre je vois qu'il y a un petit trou, donc il y a peut-être quelqu'un qui a dû jeter un oeil dedans, c'était au Mondial Relais, donc ils sont arrivés plutôt en bon état, hein, ça va, le trou je pense qu'on m'a rien volé, ici il y a un énorme colis, donc il pèse super lourd quand même, parce que 9 kilos c'est pas rien, donc ça fait 18 kilos de cartes Yu-Gi-Oh! Normalement, donc ce que je vous propose c'est qu'on passe sur la table et que je vous ouvre un peu tout ça. Je sais pas si j'aurai le temps d'ouvrir les deux colis, donc au pire, je vous ferai une deuxième vidéo pour le second colis juste là-bas. Sinon, je prendrai le temps qu'il faut pour vous montrer un petit peu tout ça en détail. Voilà le premier colis, donc de 9 kilos. On va aller s'ouvrir ça proprement. On va essayer de rien abîmer. Hop. Ce sera la petite surprise. Il y a vraiment plein de choses dedans. Donc déjà, on commence avec un magnifique Playmate. Et je pense que je vais vous le décaler, puisque regardez tout ce qu'il y a. Oh là là, il y a des cartes. Bon, ben, il y a une box qui s'est ouverte, donc je vais le décaler et on va passer sur plateau pour vous montrer tout ça, ce sera plus simple. Alors du coup, je suis accompagné de Lily ici hein, pour cette ouverture. Salut! Voilà, parce que je pense qu'elle est là pour essayer de grappiller des petits trucs. Hein. Voilà, je pense qu'elle va me piquer des petits objets. Bah donc, oui, normal. On commence avec un magnifique Playmate, Seto Kaiba. Donc celui-là, j'avais déjà, du coup, je vais le donner à Lily ici. Celui-ci va être pour elle, donc elle qui adore les dragons. Ça va lui faire plaisir. En ouvrant le colis, elle a vu ça. Donc je pense qu'aussi elle va me le piquer puisque voilà, elle adore Pokémon. Moi j'ai arrêté un peu Pokémon. Donc je vais vous montrer globalement ce qu'il y a dedans. On commence avec des mines mystiques. Regardez en haut, magnifique. Je vais repasser un petit peu comme ça. Je regarderai ça un peu plus attentivement. Ouais, il y a des cartes jetons. Un petit peu de tout. Petit magicien du temps. Et les petites perles, regardez, il y a vraiment de tout, des secrets gold, des trucs que j'avais même pas. Ouais, c'est dingue. Merci énormément à Vincent, hein, je lui enverrai un message pour lui dire du coup que j'ai bien tout reçu. Waouh. Rituel du lion de guerre, je vous passe les classeurs comme ça. J'essaierai de vous passer les cartes dans les box un peu plus en détail. Il y a vraiment des cartes de ouf. Oups, ça brille de partout. Ouais, après, il y a quelques cartes communes qui vont venir compléter les petites extensions. D'accord, transcendance espace-temps, il y a pas mal de petites cartes, un guerrier nitro en bas, ça j'adore, impeccable, tête de canon X en bas, en ultra rare, oh là là là. J'ai l'impression que ce monsieur avait quand même une jolie petite collection, c'est dommage pour lui qu'il s'en ait séparé, forteresse Mechabot, ça c'est très très bien aussi, piège bougie, ok, il y a vraiment pas mal de petites choses. Je suis désolé si vous voyez mal. C'est vrai que ce genre de classeur, c'est pas facile à vous montrer en vidéo. Cyclone galactique, un petit peu de tout. Un synchronécroïde là-haut. Très beau. Illusion magique. Ok, un P17, il y en a partout. Oh, c'est quoi ça? Tornade, mage et spectre. Oh, sympa. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de cartes. Il y a pas mal de raretés, pour l'instant dans ce classeur il y a justement pas mal de petites raretés, donc ça c'est bien. J'espère que je serai surpris, que j'aurai des petites surprises du coup dans les petites boîtes. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que je vais prendre du temps à tout trier. Ouais, là, ça va être sympa, regardez un joli déchireur de cartes en LDD. Ah ça c'est très bien parce que je l'avais pas en LDD. Oh là 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 là. C'est énormément de plaisir. Après, j'ai des petites cartes qui sont tombées, une boîte qui s'est ouverte, donc on continue du coup avec une magnifique tin box, très ancienne, donc on a quelques protège-cartes. Oh, elle est sympa celle-ci, regardez. Je la connaissais pas pour les seigneurs lumière. Protège-cartes Jap. On a une Kaiba ici. Super sympa, c'est cool. On en a encore partout ici, des protège-cartes. Hop. C'est possible que tu m'en piques. Regarde. C'est mignon comme tout ça. Les dragons. Tac. Oh, regardez, il y en a plein, plein, plein.
Moi j'adore ces petites protège-cartes comme ça, elles sont magnifiques. Elles sont peut-être pas pratiques, mais elles sont belles. Là j'ai des petites cartes ici, hop, encore pas mal de protège-cartes. Tout s'est un peu emmêlé, hein, du coup je pense que le voyage a pas dû faire du bien à tout ça. Mais tout a l'air d'être en bon état en tout cas, donc je pense que je vais me régaler à tout regarder. Alors, il y aura un peu de tout, hein, comme vous pouvez le voir. Tac. Du berceau gris. Hop. Ah, en DP06, un guerrier sombre, héros du mal. Et ouais, ok. On va prendre un petit tas. J'essaie de vous montrer assez rapidement quand même, que vous puissiez voir un peu tout ce qu'il y a. Mais l'étendue du carton, vous imaginez même pas. Oh là 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 là, c'est dingue. Carte OP05, ok. Donc là, je pense qu'on a essentiellement des communes. J'ai vu d'autres classeurs, donc il y aura vraiment de tout. Les cartes, oh là là. Pas dans le bon sens. Ah, il y aura un peu de fake, dommage. Celle-ci, bon, je pense que c'est un peu comme toute collection. On a tous nos cartes un petit peu espagnoles ou cartes bizarres. Donc là, il y en a un petit peu. Tant que c'est qu'une dizaine, ça me dérange pas. Hop. Il y a des très belles cartes. Mammouth aux longues défenses, fête, ça c'est très bien. Moi je ferai un petit tri. Hein. Ça arrive dans toute collection qu'il y ait des cartes fake. Ouf, voilà. C'est un peu le risque. Il y a du LDD en masse ici, donc ça va être très très bien pour ma collection Wizard. Enfin Wizard, c'est pas du Pokémon, hein, vous aurez compris. Wizard, c'est ce que j'appelle du rétro pour Yu-Gi-Oh! Hop. Ah, c'est tout. Après il y a un peu d'anglais aussi, il m'avait prévenu pour l'anglais. Kuribo, ça c'est du fake. Hop. Je trie parce que globalement les cartes fake, je ne supporte pas ça. Et moi ça va directement à la poubelle. Carte un peu espagnole. Je ferai le tri hein, parce que je garde vraiment que le français. Tac, il y a vraiment un peu de tout. Beaucoup d'anciennes, du coup je pense que les tin box sont un peu à l'image des générations des cartes. Ça c'est très bien honnêtement. Boah. Que du bonheur ces cartes. Surtout ça y est, je me suis mis à essayer de compléter toutes les séries de la génération 5DS. Donc la série 5DS, je vais essayer d'avoir vraiment toutes les séries du moins classiques. Hop. On continue avec tout ça. Un jour de paix. Il y en a vraiment beaucoup. J'essaie de tourner ça. Tac. Il y aura beaucoup de communes. N'hésitez pas à aller vous chercher un petit café parce que je pense que la vidéo sera un petit peu longue. Donc si vous voulez vraiment voir tout ce que j'ai, si vous voulez découvrir un peu les trésors qui va m'être présenté, ça peut être sympa. Je vous conseille de rester jusqu'au bout, hein. Ça me fera plaisir en tout cas. Parce que j'ouvre ça avec vous, donc je découvre tout. Hein. Les colis, je suis allé chercher il y a pas longtemps. Je découvre absolument tout. Et au niveau des images, il m'avait pas montré tout. Carte par carte, mais juste montrer l'étendue de la collection, et au vu du prix j'ai trouvé ça hyper intéressant. Regardez-moi ça, la paire cristalline en DP07, magnifique carte du coup, en rare. Ça va aller dans la collection. Hop. Bon, après il y a des cartes récentes, celle-là moi je les échangerai je pense, ça partira soit à la vente soit à l'échange. Tac. Comme d'habitude je ferai mon petit tri. Vraiment de très bonnes cartes. Hop. Alors, un temple de l'esprit. Ouais, je pense que je vais vous ouvrir qu'un seul colis par vidéo. Hein. Et vous avez rien vu encore. Vous avez rien vu. Regardez-moi ça. Super rare. Tac. C'est quoi ça? Hop. Ok. On aura un limité removal ici. Tac. Un cyber dragon Nova. Bon, j'en ai un peu marre de tourner les cartes, c'est dommage. Hop. En DPRP miroir du dragon, très très bien. Carte de l'harmonie. Il y a vraiment beaucoup de choses. Du coup, tac. On a vraiment de tout. Hein. Au niveau de la commune, je vais essayer de vous passer. Donc ça, on a encore du fake. Moi en commune, si on pouvait tomber sur un Rodonut, ça me plairait bien. Hein. C'est vrai que le petit Rodonut, c'est intéressant. Pas, non. Qu'est-ce qu'il est mignon. Je pense quand même que sur toute cette collection, s'il a ouvert de l'onde de choc du photon, peut-être que le petit Rodonette, il sera pour nous. Oh, en série glace, très bien.
C'est vrai que bon, voilà, globalement ici on a beaucoup de vieilles cartes, donc je pense que ces boîtes vont ultra m'intéresser. Je vais me pencher un peu plus sur tout ça. Il y a vraiment de tout, de toute façon. Oh, c'est impressionnant. De très vieilles cartes. Bon, il y a... Là, je vois après. De toute façon, regardez. Hop, on va montrer l'aperçu. Voilà, un petit peu le premier colis, tout ce qui reste à ouvrir. On a ouvert qu'une boîte. Voilà. Donc, c'est dingue de chez dingue. Tac, on va faire le petit tri, on vous ouvre une seconde boîte. Du coup, on continue avec une deuxième boîte qu'on a sortie du carton un peu péniblement, puisqu'elle était ouverte. Mais pas de dégâts, rassurez-vous. Bon, après, des dégâts, ils ont déjà été faits, hein, donc comme vous pouvez le voir. Mais il y a quand même des cartes en très très bon état. Regardez-moi ça, une magnifique rare SOI, donc ça, c'est très très bien. Donc là, ici, on aura pas mal de cartes pièges, je pense. Ouais, piège et magie, j'ai l'impression que c'est vraiment la Pokébox. Enfin, ouais. La Pokébox, ça y est. Ouais, non, c'est une Tinbox. Ouais, on est sur Yu-Gi-Oh! Je crois que tu vas te le faire dire. Ouais, c'est la Tinbox spéciale cartes magie, ouais. Et pièges, je pense. Bon, après, c'est bien parce que, honnêtement, sur des très anciennes éditions, il y a des cartes qu'on retrouve pas souvent. Ah, ne serait-ce que ça, troisième sarcophage, je sais que je l'ai pas dans ma collection. Donc... ça va être vraiment très intéressant de faire le tri de tout ça. Encore une fois, je vous passe vite parce que je pense que vous avez envie de voir autre chose que des communes. Donc on va passer assez rapidement. Vraiment des belles cartes, un peu toute édition. Pour l'instant, vraiment, je suis ravi parce que on a vu que du rétro et moi j'adore le rétro. Donc à part le classeur où il y avait un petit peu de cartes récentes. Mais au niveau du rétro, je pense que je vais être servi. Je vais pouvoir compléter mes classeurs puisque je fais aussi les séries classiques LDD, voilà, donc les séries classiques de Duel Monster, je les fais aussi. Je me tâte à faire Yu-Gi-Oh! GX en série classique également, mais quand je vois des fois le prix des cartes, des Ultimate, héros élémentaires, héros du mal ou autre, ça me freine un peu. Hop, donc voilà pour cette boîte là, on va passer à une autre. Tac, alors, comme d'habitude, on aura plein de petites... Blinder les... Ah ouais, mais ça c'est top, je suis ravi. On a les petites pochettes. On en aura partout là aussi, les protège-cartes. Hop, j'arrive à les sortir. Ah, il y en a partout. Ok. Et alors du coup, au niveau des tinbox, c'est vraiment blindé, blindé. Et j'ai l'impression que les cartes ici sont en meilleur état. Encore du rétro. Oh là 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 là. Je vais vraiment me faire plaisir, hein. À trier tout ça, un grand merci à lui. Je sais pas s'il regardera la vidéo, hein, étant donné qu'il arrête. Mais si jamais tu regardes la vidéo, merci. J'en prendrai soin. Petite ultra rare qui se cache ici. Une super rare, pardon. Tac. Ah, ça fait super plaisir. Aile de tyran en ultra rare. Quelques jolies cartes qui se cachent. Ça, c'est top. Ah, ça va bien remplir... Une des grands dragons divins, SR02. Je pense qu'on est vachement de travers. Oh, mais rien que celle-là, je l'avais pas. Et je pense que celle-là, tu vas vouloir me la piquer. Le dragon météore impact aux yeux rouges. Très bien, je l'avais pas. C'est peut-être qu'une rare, mais c'est un joli dragon, surtout de l'archétype yeux rouges. Oui. Ça va être intéressant. Regarde, les petits bébés, ça c'est cool. Oh là, ça là, c'est cool. Il y a plein de dragons. Je pense que tu vas vouloir m'en piquer pas mal. Pas mal, ouais. Ouais. Bon, je pense que je vais planquer le deuxième colis. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, si on trouve le dragon sang en métallique du rouge de la collection de jouets, hein, pareil, celui-là. Ouais, un secret rare, ça va être intéressant à avoir. Oh là. Bon, après, là, il y a quelques cartes anglaises, donc ça, c'est dommage, puisque, comme je vous l'ai dit... je vais m'en séparer malheureusement parce que pour moi je collectionne que du français. Donc, je vais vraiment passer vite parce que sinon. Ouais, il y a vraiment de tout. De tout, c'est ouf. Parce que oh, elle est en anglais celle-là. Toujours en anglais. Désolé, les cartes sont vraiment de travers. Ah, celle-là, elle a été mangée. Oh là là, il a eu faim. Et du coup, ça c'est bien aussi. MDM, serment de la tortue. Ok. Vous voyez, vraiment, c'est rempli à ras-bord. Oh là là. Honnêtement, à vue d'œil, il doit y avoir plus de 10 000 cartes, quoi. C'est pas possible que... Déjà, je sais qu'il y a 18 kilos en tout, donc... rien que ça, ça en dit long sur la taille des colis.
Alors vous allez voir un item que j'apprécie beaucoup. Je sais que Lily me l'a piqué à l'époque, mais je l'ai vu dans le colis. Oui. Je l'ai vu dans le colis, les amis. Oh, le magnifique dragon monote en rare, ça c'est très bien. Il y aura la version anglaise, deux versions anglaises derrière. Celui-là, par exemple, vous voyez, elle va me le piquer. Voilà, un joli petit dragon. Hein. Voilà. Hein. De toute façon, tous les dragons que j'aurai en doublon, hein, je sais où ça va aller. C'est ça. Celui-là, je sais pas, je crois que tu as déjà. Celui-là, tu vas me le piquer. Oui. Voilà. Globalement, non. Tout le dragon, quoi. Alors, lui, c'est celui que tu appelais Stitch, là. Ah oui, bah, avouez qu'il a quand même... Stitch vénère, quoi. Tête de Stitch. Ouais, mais vraiment, vraiment, il est pas content, alors, par contre. Tac. Oh, il y a vraiment de tout, de tout. Ouais, hop, ah, on va passer ça. Ça, c'est cool, ça. Ouais, dragon alexandrite. Tac. Alors, on aura encore des protège-cartes ici. Encore là. Oh, petite carte lien. Un décodeur bavard du pot. Ok. Il y aura encore plein de cartes. Oh, je vois un dragon pulsar là. Mm-hmm. Celui-là, par exemple, voilà. Oui, le petit. Je le joue celui-là. Et. Oh, il est en anglais, c'est dommage. C'est celui du deck, mais il est en anglais. Oh, dommage. Là, je suis vraiment pas fan des cartes anglaises. Bon, si vous collectionnez les cartes anglaises, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le Facebook Yamiro. Hein. Parce que je pense que je vais tout rassembler et je sais pas si j'en ferai don encore ou je le ferai gagner. Peut-être je ferai gagner des petites cartes anglaises. Hop. En tout cas, c'est sûr, au vu de tout ce qu'il y a, je ferai gagner des petits lots. Je sais déjà qu'il y a un Playmate que normalement je vais retrouver dans le carton. Et que enfin, franchement, je pense que je vais vous le faire gagner puisque moi, c'est un univers que je ne fais pas. Donc restez attentifs un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Insta ou même sur mes vidéos, je vais vous montrer tout ça. Donc je ferai sûrement un concours pour faire gagner un abonné. Oh, oh magnifique, oh, mais ils sont en anglais, c'est dommage. Il y a beaucoup d'anglaises, hein, il m'avait dit, il n'y en a pas beaucoup. Bon, on va pas se plaindre, hein. C'est le risque. Au vu de toutes les cartes qu'il y a après, je pense que... Bon. Voilà, celui-là, magnifique. Il y a vraiment des jolies petites cartes. Regardez-moi ça, en SOD. Dragon armé LV5, ça c'est génial. Oh, un petit blaster. Il y a des petites surprises, ça c'est cool. LDD, Jarre de Résurrection. Tac. Et bien je crois qu'on a fini pour cette boîte là. Il y a encore des petites cartes ici. Ouais, on avait ça. On va passer. On va faire ménage, hein. On va passer à une autre. Et là, les amis, attention, l'item dont on vous parlait, regardez-moi cette magnifique boîte. Donc, c'est un magnifique coffret, du coup, qui est sorti à la génération 5DS. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une sorte de valisette et on peut mettre 6 Xbox dedans. Ouais, voilà, ça, tu peux vraiment y mettre de tout. Waouh, wow, ah ouais. Regardez, et du coup, moi, je vais décaler vraiment le fond parce que vous ne voyez pas tout. C'est dingue, c'est dingue. Carte pochette. C'est rempli à ras-bord. Donc, honnêtement, je sais pas si on va tout vous montrer, puisque. À moins que ce soit des raretés, parce que là, je vois quand même des cartes. Ah, ouais, d'accord. Bon, je crois qu'on va vous montrer, hein. Parce que je crois que c'est que des raretés, presque. Oh, wow, c'est dingue. Honnêtement, désolé de l'expression, mais je suis un peu sur le cul. Honnêtement. Je sais pas quoi dire parce que entre nous, ça a été vendu à un prix très très intéressant. Je pense que la personne voulait vraiment se débarrasser de toute sa collection et passer à autre chose. Je suis presque gêné quand je vois tout ça parce que, ben voilà, je vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, un grand merci, j'en prendrai grand soin. Vous savez l'amour que je porte sur Yu-Gi-Oh. Après, il y a pas mal de cartes que j'ai déjà, donc je pense que je vais pouvoir faire gagner pas mal de petites choses. Je pense que je vais pouvoir vous faire plaisir. Donc au passage, évidemment, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, parce que je vais faire gagner prochainement pas mal de petites choses. Hop. Waouh. Non mais... Je pense que ça, c'est que des raretés. C'est dingue. Oui, j'ai l'impression. Waouh. Donc là, on a vraiment le coffret que tout le monde voudrait avoir. Il doit y avoir presque 1000 cartes.
Il y en a que j'ai même jamais vu. C'est pourtant, vous m'avez suivi depuis un bon moment. Bon, là, on a quelques communes. Mais vous m'avez suivi depuis un moment. J'avais ouvert beaucoup, beaucoup de boîtes, de displays, tout ça. Il y a des cartes que je n'ai jamais vues. C'est dingue. Ah, là, on a quand même pas mal de communes. Ouais. Donc, finalement, peut-être que... Mais en fait, dès que je tourne, c'est dingue. Dès que je tourne, en fait, il faut que je retourne. Ok. Tout hein, pour les séries 5DS, ça c'est génial. Je retourne. Ouais. Phoenix est ici. Ça c'est les promos du pouvoir du duel. Une carte gold. C'est top. Bon, enfin, honnêtement, je suis pas au bout de mes surprises parce que il y a quand même du beau monde là-dessous. Tac. Tu vois les petites secrètes. Ok. Je sais même pas où vous poser les cartes. Hein. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit ménage parce que. Hop. Il y en a tellement. Très très bien. Je découvre plein de cartes, c'est magnifique. Ça c'est bien ça. Il y a vraiment de tout, hein. Il y a des dragons. Donc ouais. Tu vas pouvoir sauter sur quelques cartes. Du Hérovisio, regardez, tac. C'est magnifique. Oh, le magnifique dragon crâne noir de la série Le Monde de Joey. Ah, intéressant. Très intéressant. Ouais, honnêtement, voilà, si j'espère qu'il y aura des jolies cartes du Monde de Joey, même de la série 5DS Collection Légendaire. On était vraiment fans de ces deux petites boîtes. Il y a vraiment de jolies cartes. Il y a de quoi faire. Bon. Je pense qu'on me reverra pas pendant une semaine. Je vais pas sortir de la salle. Oh, regardez-moi ça. Je l'avais pas. Magnifique. Oh, lui non plus. Oui, je suis peut-être en extase. Hein. C'est peut-être des cartes qui coûtent 10 centimes. Hein. Mais honnêtement, je m'en fous. Je préfère être honnête avec vous. Il y a des fois, il y a des cartes, mais... Je me demande comment vous pouvez vendre des cartes aussi belles, 2 centimes, 3 centimes. Ça mérite pas ça. Il y a des cartes, elles sont magnifiques. Moi, je garde tout. Magnifique polymérisation. Regardez ça. Waouh. Vraiment de tout, des Monster Reborn. Ça va être bien pour mes présentations de deck parce que je vais pouvoir faire le plein de staples. Ça, c'est cool. J'ai encore pas tourné comme il faut. Globalement, oh, on a les dieux nordiques ici. Non, c'était de la du deck, bon, je sais plus lequel, là, du dernier qui est sorti avec avec les héros du mal, enfin les héros de la destinée, pardon. Tac. Donc là, on aura des communes. Donc on n'aura pas que des raretés, mais on a eu déjà pas mal. Et vraiment, on n'est qu'à la moitié du colis. Donc je vous laisse imaginer l'étendue de tout ça. Oh, y a vraiment de tout. Tu remarqueras quand même qu'on n'est toujours pas tombé sur un seul Rodonut. Ah non, Rodonut, il veut pas tomber. Après, je passe vite. Si ça se trouve, on l'a loupé. Ouais, on regardera ça attentivement. Oui, il a fait une obsession sur Rodonut. Hein. Vous inquiétez pas, c'est une carte à 1 centime. Hop, oh, un bel gladiateur, ça c'est très bien. Voilà, elle me tend ça, voilà, c'est Rodonut. Voilà, c'est, je sais pas pourquoi, mais c'est son chouchou. Donc si vous l'avez, envoyez. Sous cadre, en tant qu'affaire. Voilà, bah, voilà. Il est tellement mignon. Oh, on a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Je pense que je vais vraiment essayer d'écourter pour vous montrer, voir s'il n'y a pas des choses plus intéressantes, parce que là, je pense que les communes, vous avez fait le tour. C'est oufissime. Il y a plein de choses que j'ai pas, ça va pouvoir compléter beaucoup de séries. Je vais essayer de voir si je trouve pas des cartes un peu plus rares, un peu plus sympas à vous montrer. Donc là, il y a beaucoup de pochettes. Tac, waouh. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a des raretés.
Là, il y a du gold. Il y a du gold, il y a peut-être un peu de tout. Oh, joli ça, DPRP. Et carte sympathique. Bon, vraiment, je vais essayer de vous montrer des cartes un peu plus dans ce genre, parce que je pense que les communes, bon, il y a de la quantité, il y a du stock. Et c'est surtout les raretés qui nous intéressent. Oh, ça c'est bien ça. Store, super rare, magnifique. Je vais pouvoir faire une avancée phénoménale sur mes collections. Oh, DPYG, très très bien ça, le soldat d'Ustre Noir. Je suis vraiment pas au bout de mes surprises. Des cartes numéro, puisque je collectionne aussi les cartes numéro. Waouh. C'est dingue. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Après, je pense qu'il a ouvert beaucoup beaucoup de des mêmes séries. Tac. Globalement, après il y en a qui reviennent vachement. Typo de cupidité. MDM, très bien. Pareil, ça c'est série RGBTB. Vous voyez, il me l'a manqué celle-là. Il y avait hein, celle-là en anglais. Dommage. Beaucoup de rares. Oh, mais vraiment, ça va compléter. Le bébé dragon, du coup, qui va partir directement chez Lily. Voilà, comme vous avez pu comprendre. J'ai pas trop le choix. Tac. Oh, très très belle carte. Oh, elle est en anglais. C'est dommage. Parce que celui-là, je l'aurais mis directement dans un deck. Hop. On passe là. Il y en a encore. Vous voyez, c'est dingue. Et je suis en train de penser. Tu l'avais pas, le séparateur? Parce que... Là, je vois qu'il y a un séparateur. Tu l'avais enlevé? Si, je l'ai enlevé, parce que pour mettre les deck box, c'était plus simple, ça. D'accord. Parce que sinon, c'est des tout petits compartiments et on pouvait pas mettre de deck box. Alors que si vous l'enlevez, vous pouvez vraiment mettre 6 deck box les unes à côté des autres, c'est vraiment pratique. D'accord. Là, je savais même pas. Là, il y a pas mal de cartes. Elles sont toutes anglaises, j'ai l'impression, ici. C'est bien dommage. Ah non, il y a une française. Bon, je ferais vraiment un gros tri. Je pense que je vais passer énormément de temps à tout trier. Alors m'en voulez pas, j'ai l'impression que dès que je monte les cartes, elles sont à l'envers. Hein. Et je les retourne, elles sont encore à l'envers. C'est cool. Là, il y en a encore plein, mais regardez-moi ça. Bon, je vais essayer de vite mettre la plupart sous pochette. J'espère que j'ai fait le stock suffisant de pochettes, parce qu'il y a du beau monde là. Hop. Ouais, mais tout ça, c'est encore des raretés. C'est dingue. C'est magnifique. Tac. Bon, là, il y a pas mal de récents. Des petites cartes sympas qui se cachent à des moments. Donc, parce que, évidemment, je suis plus fan du rétro. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir tout ça. Waouh. Vous imaginez même pas. J'avais déjà reçu une énorme collection à l'époque, mais je pense que on n'est pas loin de rivaliser. Honnêtement, là, oui. Globalement, je suis en train de me dire que... Au vu de tout ce qu'il y a... Waouh, mais regardez-moi ça. Alors, celle-ci, elle est en anglaise, mais un Cyber Twin Dragon en LCGX, c'est... celle-là, je vais la garder. C'est obligé. Magnifique quoi. Il y a des jolies petites cartes encore ici, partout. Petite tomate mystique. C'est vraiment dingue. Honnêtement, je vais être perdu avec tout ça parce que je ne peux plus savoir où ranger les choses moi. Je crois que j'ai même pas assez de cahiers. Bah vas-y, plains-toi. Je vais pas me plaindre. Vous allez m'insulter en commentaire, sinon. Je vais pas me plaindre, les amis. Hein. Je me plains pas, absolument pas. Hein. Mais j'avoue que... Waouh. C'est impressionnant. Waouh, il est magnifique, celui-là. Regardez. MDP2. Mmh. Celui-là, on va me le piquer direct. Oui. Ouais, voilà. J'étais sûr. Oh, garde des marées. Mosaïque rare. Sliffer. Ouais, c'est vrai. Oh, une très belle carte aussi. Et voilà, globalement, je pense qu'on a fait à peu près le tour, puisque là, ce sera que des communes, je pense.
Là, on aura des protège-cartes. Oh, regarde, il y a des protège-cartes Pokémon. Ouais, peut-être qu'il y a des cartes Pokémon qui se cachent aussi. Je suis pas sûr. Ouais. Donc là, on a quelques petites protège-cartes Pokémon qui va partir pour Lily pour ses collections. Ouais. Donc voilà. On va, comme d'habitude, ranger un petit peu et vous montrer le reste. Allez, on conclut du coup avec le reste du colis. Du coup, voilà, on a encore tout ça. Donc, j'ai regardé vite fait. Tac. C'est plein. C'est plein. Donc honnêtement, je vais peut-être pas vous montrer les deux boîtes, mais c'est juste pour vous dire que c'est quand même plein de communes. Je vais faire passer à Lily. Et là, il me semble que ça va être la même. Ouais. Donc ça va être rempli de communes peut-être un peu récentes. Donc ça, je trierai. Personnellement, je vais peut-être pas vous faire perdre votre temps à regarder toutes les communes. Là-dedans, je sais pas vraiment ce qu'on peut retrouver. Donc pareil, hop, oh là là. J'arrive pas à l'ouvrir. On peut peut-être être surpris. Regardez vite fait. On aura encore des très vieilles cartes. Ça, c'est très très bien. On va regarder, on va jeter un œil rapidement pour voir ce qu'on peut trouver ici. Ouais, un peu de tout, j'ai l'impression. Ouais, majoritairement des communes, on dirait quand même. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de communes. Mais dans la boîte 5DS, on a quand même pas mal de raretés. Ouais. On va pas se plaindre. On a des petites cartes abîmées. Pareil, je ferai une petite pile de petites cartes abîmées que je mettrai peut-être en don. Hop. Donc, vous voyez. Encore pas mal de cartes. Ouais, donc ce sera... Ici, on aura... Que des communes, hein, donc ça je vais vous faire passer rapidement. J'ai eu quelques rares, mais il n'y en a pas. Ouais, ça doit bien y avoir des petites rares à droite à gauche. Hop. Ici peut-être. Là il y a des petites raretés. Mais globalement, voilà. Bon, on est sur de la commune, hein. Je vais vous faire passer la boîte. Rien de. Ouais, non, rien de spécial. Ok. Et par contre, pour finir pour ce premier colis, du coup, il y avait ce petit classeur en plus, donc je vais le mettre comme ça, impeccable, ça va tenir. Donc, qu'est-ce qu'on a? Encore de la commune là-dedans. Oh là là, je voudrais pas abîmer quoi que ce soit. On a une rare ici. Bon, je pense qu'on a une ultra rare là-haut. Une jolie bête cristalline DP07. Encore pas mal de petites choses, donc après globalement c'est il a rempli de communes, quelques petites rares par-ci par-là. Ok, chevalier maître des dragons en LCKC. On a un avion héros élémentaire. Après, bon, il y a beaucoup de choses. J'ai pas vu après de celle-ci. Lily va la vouloir, je vais la sortir direct comme ça on va pas l'oublier parce qu'elle collectionne le monde de Joey. Donc je sais que celle-ci direct, hop, merci. Pas mal de rareté. Après, on arrive. Pour l'instant, j'ai pas vu de grosses cartes, mais je pense que en quantité, on est vraiment pas mal. Donc voilà pour ce premier colis. En tout cas, honnêtement, au vu de tout ce qu'il y a, je suis vraiment désolé de pas pouvoir tout vous montrer, sinon la vidéo durerait une heure et vous resteriez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas rater surtout la deuxième ouverture du deuxième colis. Du coup, le deuxième colis, je vais essayer de la sortir rapidement, la vidéo, pour que vous puissiez voir l'enchaînement de tout ce que j'ai reçu. En attendant, les amis, eh ben, on vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt. Salut ! Salut !